Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais très très bien. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qu'il n'y a pas eu depuis un bon petit moment sur Movistar Planet. Et je vais découvrir un petit peu ce que j'ai manqué ces derniers temps, sachant que malgré le fait que je ne jouais pas trop, voire pas du tout, on va pas se mentir, je vais pas faire genre la meuf, à Movistar Planet. Allez, mot de passe lol, 1, 2, 3... Quoi? Je me suis chié dessus les gars parce que j'étais là en mode, vous savez, la dernière fois que j'avais joué c'était en live et du coup il y avait tout le délire de piratage et tout et j'avais même fait qu'est fais-tu me pirater po SVP, je suis même plus VIP et j'ai marqué en polonais nie hakuj mnie proszę, qui veut dire ne me hack pas s'il te plaît, en polonais, parce que au cas où le pirateur était polonais, il y avait des rumeurs, etc. Bref, bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais en tout cas, voilà, on va regarder donc déjà... j'ai ton look. Prout, voilà. Aujourd'hui, déjà, j'étais au courant qu'apparemment, il y aurait la sortie d'un thème avec un nœud papillon de la collection Drip. Alors, est-ce qu'il y est ou est-ce qu'il n'y est pas? Je l'avais vu normalement avant qu'il sorte, je n'ai pas fait de vidéo. On applaudit la youtubeuse, principalement MSP, qui ne vous tient même pas informé. Vous pouvez l'écrire dans les commentaires, vous pouvez dire « Quinzel, t'es nul !» C'est un peu le but de ma chaîne aussi, de dire en avance les choses qui vont sortir. Et là, je ne l'ai absolument pas fait. Voilà. Donc, merci à Lelopa2 pour la salutation. Je pense qu'elle sauve un petit peu la vidéo parce que bon, hein, on va pas se mentir, je suis un petit peu à la ramasse. Hein. Donc, effectivement, il y a un nœud papillon, donc je vais pas faire genre la meuf choquée. Wouah, dans le nouveau thème, il y a un nœud papillon de la collection Drip. Alors que je suis au courant depuis un petit moment déjà. Voilà, on va pas se mentir, je suis sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, QuinzelTV. C'est dans la description et du coup j'avais vu dans mon fil d'actualité hein, que le nœud papillon avait été déjà annoncé. Donc bon, franchement, moi je suis contente. Dites-moi ce que vous en pensez également dans les commentaires. Moi je suis plutôt contente parce que je trouve que le design du nœud papillon Drip, je le trouve assez sympathique. Je trouve que franchement il passe bien en fait, il passe bien. On peut quand même essayer de changer les couleurs, tout ça. D'ailleurs... Non, j'allais dire d'ailleurs pourquoi il est pas rose, mais c'est la collection Drip qui est rose et pas la collection Pixel. D'ailleurs, est-ce que je dis Drip ou Pixel depuis le début de la vidéo? Oh mon dieu! Mais si vous regardez, franchement, moi, personnellement, je trouve qu'il passe vraiment bien comme nœud papillon de la collection Pixel. Pourquoi pas maintenant faire un nœud papillon de la collection Drip? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que honnêtement, franchement, je trouve que le nœud papillon, en général, ça passe plutôt bien. Et je trouve que... Il y a toujours, je pense, une certaine mode sur Movistar Planet de mettre un sorte de nœud papillon, souvent blanc comme ça, avec des petites toiles, je sais pas comment expliquer, bref, que les personnes mettent souvent sur leur look, pourquoi pas le remplacer par celui-ci. Bon, même s'il est beaucoup plus cher, il est super sympa. Deuxième chose, je vais pas faire genre encore la meuf choquée en mode « Waouh, oh mon dieu, ils annoncent les rares, regardez-moi ce t-shirt, il y a marqué « rare » dessus !» Non, parce que pareil, sur mon feed d'actualité Instagram, ben, je l'ai vu quoi. Du coup, comme vous pouvez le constater ici, nous avons un t-shirt qui annonce les rares, qui vont, je pense, arriver pour la semaine prochaine ou dans 2 semaines. En général... quand ils mettent un truc comme ça rare dans la boutique, c'est pour annoncer les rares. Bah, généralement, c'est ça, c'est même ça en fait. Sauf que du coup, ils l'annoncent souvent 1 semaine, voire même 2 semaines à l'avance avant l'arrivée des rares. Donc moi, je pense que ça va dans 1 ou 2 semaines. Pareil, dites-moi ce que vous en pensez. Et du coup, écoutez, franchement, je sais pas trop quoi en penser, on verra bien, je pense, quand les rares sortiront. J'essaierai cette fois-ci d'être plus assidue pour les vidéos, hein, n'est-ce pas? Je vais essayer de reprendre mon rythme régulier parce que les vacances, c'est fini. Pour ceux qui se demandent et qui seront arrivés jusqu'à cette partie de la vidéo sans avoir quitté,
Eh bien, je suis très très souvent actuellement en live sur Twitch, actuellement sur ma chaîne 15 litres. Je vous mettrai pareil dans la description. Encore une fois, je vous préviens que c'est un contenu de jeu différent que je fais sur Twitch, que je ne fais pas de MSP sur Twitch et que je fais du GTA principalement en ce moment. Et c'est un jeu assez violent. Voilà. Alors, merci à Quinzel, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Oh, elle est très jolie en plus, sa movie star. Merci. Oh, bah elle s'appelle Quinzel. En tout cas, merci beaucoup à toi pour ta salutation. Je te fais un très très gros bisou. Merci, merci beaucoup. Et pour en revenir, on va. Du coup, je sais plus ce que je disais. Voilà, je suis perturbée. Ah oui, j'expliquais pour ma chaîne Twitch. Mais ça, je pense, on s'en fout. Et du coup, bah, je vais, je pense, faire une vidéo sur les rares avant leur sortie. Si, voilà, je le vois dans mon feed d'actualité Insta. Je vous ferai une petite vidéo en vous présentant un petit peu d'avance, en vous spoilant ce qui va arriver. Maintenant, on va parler un petit peu du thème. J'essaie de vraiment tout incorporer dans cette vidéo, de tout ce que j'ai raté, de tout ce que je vois. Et avant de passer du coup au nouveau pack, on va d'abord juger un petit peu ce thème comme si nous étions des Christina Cordulache. Alors, honnêtement, moi j'aime bien tout ce qui est pom-pom girl comme ça, je trouve ça assez stylé. En plus, je trouve que c'est cool d'avoir un thème sur l'école. Bon, désolé hein, pour ceux qui sont actuellement, ont déjà eu la rentrée scolaire. Et bon courage à ceux qui bientôt l'apprendront, parce que certains voilà, sont décalés et l'apprennent un petit peu plus tard. Mais personnellement, moi j'aime bien les thèmes scolaires dans le sens où ça permet aux personnes qui créent des films, des vidéos, des séries sur Movistar Planet de bah, tout simplement habiller leur Movistar de type scolaire, parce que on va pas se mentir, trois quarts voire plus des séries etc. sur MSP eh bien se situe dans un domaine scolaire, voilà, c'est souvent des écoliers, des lycéens, des collégiens, etc. Et du coup, je trouve que c'est toujours utile d'avoir un thème sur justement l'école, etc. Ça rajoute des façons différentes de s'habiller pour aller au bahut. Voilà, voilà. Bon, mais si on continue, bon, ça je suis pas fan, ça j'aime bien. Ça j'aime bien, même si je trouve que ça fait un petit peu court au niveau du short. Les petites baskets Converse, j'aime bien. Bon, on va pas se mentir, ce t-shirt là, je le trouve moche, mais bon, hein, l'intérêt de ce t-shirt là, c'était juste pour annoncer les rares, donc on s'en fout. Ça, c'est sympa. Bon, à part franchement le haut là que j'aime vraiment bien, celui-là, ça va, j'aime bien aussi, même si je suis pas non plus grande fan. On va voir sur la deuxième page. Ouais, ouais, ça j'aime bien. La jupe elle est cool. Attends, si on met la petite jupe là avec ce petit haut là, bah écoutez, c'est cool. En plus, parce que ce n'est pas VIP. Vous regardez, ce n'est pas VIP et c'est ça qui fait plaisir. Le fait que ce soit pas VIP et que ce soit beau. Le truc le plus beau pour le moment sur les deux premières pages n'est pas VIP, donc ça je valide. Concernant la coupe, ça va, je la trouve sympa, mais 5 diamants pour ça, mouais. Celle-là, on va pas se mentir, hein, n'est-ce pas? Cette coupe-là, ça fait genre la fille pom-pom girl un peu, vous savez, la chouin en fait. Dans tous les films, la chouin blonde, elle a cette coupe. La pom-pom girl chouin a cette coupe. Ah, désolé, je renifle comme un gros porc dans cette vidéo, mais c'est pas grave, désolé. Bon, ça, je suis pas fan en soi. Bon, ça, je suis pas fan non plus. La coupe-là, j'aime bien. Un petit peu déçue qu'elle coûte des diamants parce que franchement je la trouve bien, mais j'aurais préféré qu'elle soit accessible pour tout le monde. Ça c'est cool. Pareil à pour le don... Voilà, tête que ça lui fait à la movie star, c'est dégueulasse. Le sac, je trouve ça cool le fait qu'il soit vers l'avant, parce que honnêtement les movie stars sont toujours de face et du coup quand on leur fait porter un sac à dos, souvent on le voit pas, à moins de faire une animation de côté et encore, et personne ne fait des animations de côté, hein, on va pas se mentir. Du coup je trouve ça sympa que le sac soit vers l'avant, voilà, comme ça, ça met bien bien en avant. Attends, c'est pas le même t-shirt qu'avant ça? Ah non, c'est Best Friends, d'accord, ok. Bon, l'idée est cool mais je m'en bats les steaks. ouais, ça, ouais, je sais pas, il y a un truc qui me dérange dans ces chaussettes là-haut, ces petits trucs rouges là, je sais pas ce que c'est. Ouais, enfin, comment dire, pour l'instant, je suis pas, je trouve ça un petit peu dommage, il manque quelque chose dans ce thème, il manque un petit quelque chose. Ça, je suis pas fan de cette coupe.
Ouais, pas fan de ceux-là. Bon, ça, c'est une... j'ai l'impression que c'est une coupe qui a été réutilisée. Ça, c'était déjà avant. Bon, le pull crop campus, ça va, il est sympa. Dites-moi qu'il y a une cinquième page. Non, il n'y a pas de cinquième page. Bon, un petit peu déçu au niveau du thème. Parce que franchement, en tant que thème scolaire, je m'attendais quand même à plus. Venant de ce thème-là. Bah, thème campus. Donc, thème campus, c'est université, etc., etc. Un petit peu déçu du thème. Pareil, dites-moi ce que vous en pensez. Et on va finir cette vidéo en jugeant la petite, enfin le pack du coup de ce mois-ci, qui est donc un pack. J'ai l'impression que c'est un peu le pack de fin de vacances en fait. Ça fait encore thème vacances. Franchement, j'aurais préféré, je pense, un thème scolaire aussi. Ouais, je sais là, vous allez dire, mais saoul avec son thème scolaire, mais. En vrai, j'aurais préféré que ce soit un thème scolaire, je pense. J'aime bien la coupe. Elle est sympa avec le petit fake marque de demi-casquette. Je sais pas comment ça s'appelle. Une visière, voilà. Je crois que ça s'appelle une visière. La fake visière de marque. Les chaussures, je suis pas hyper fan. Voire même pas du tout, on va pas se mentir. Ça, il me semble, c'est un combi, on est d'accord. Au début, j'ai cru que c'était une robe, mais là, on voit bien que c'est un short, en fait. D'un côté, je préfère que ce soit justement un short qu'une jupe, parce que je trouve ça plus original, et je trouve ça, ça fait mieux, ça fait genre un peu un bas de cycliste, et vu que c'est assez la mode en ce moment, je trouve ça cool. Le haut, c'est sympa aussi, je trouve que le vert se marie bien avec le léopard, chose que peut-être... dans la vraie vie, j'aurais jamais mélangé, mais ça fait cool, les couleurs proposées sont cool. Ça, j'aime bien le petit objet, tranquillou, mais bon, pareil, je pense que vous êtes comme moi, on s'en bat les steaks de l'objet du pack. Nous, ce qui nous intéresse le plus, ce sont les vêtements, je pense, et en second, le boonies. Et le boonies, je vous avouerai que j'aime beaucoup. J'aime bien quand il est petit, j'aime bien quand il est petit, on va faire ça, hop, on verra mieux. J'aime bien quand il est moyen. J'aime pas du tout quand il est moyen. Je sais pas, il a une crête bizarre. Et j'aime beaucoup quand il est adulte. Donc, à la limite, entre les deux, on s'en fout. Parce que bon, il va être soit petit, soit grand. Comme ça, il restera pas longtemps, je pense. Mais du coup, je pense que je pense qu'on aime tous le Roi Lion. D'ailleurs, ne dites pas que vous aimez pas le Roi Lion. Sinon, je vais vous assassiner dans les commentaires, n'est-ce pas? Et merci à Princesse Léa, du coup, pour la salutation. Du coup, on va finir sur la salutation de Princesse Léa 24. D'ailleurs, petite pub pour elle. N'hésitez pas à aller voir ses looks, etc. Parce que franchement, moi, j'aime beaucoup son profil et tout. Et du coup, bah, merci à toi pour la salutation. Et écoutez, j'espère que je n'ai rien oublié dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire également si vous voulez des vidéos sur un sujet... voilà, spécifique, voilà. Et sur ce, moi je vous laisse, je fais de très gros bisous, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao, ciao!